يواصل محترفو الخضرة حملاتهم التوعوية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وهذه المرة من قبل مدافع بيتيس الإسباني عيسى ماندي، الذي حث الشعب الجزائري على ضرورة الالتزام أكثر بتعليمات الأخصائيين من أجل التغلب على الفيروس. Salam alaikum à tous, Aïssa Mandi. Je voulais vraiment laisser un message pour inciter les gens à rester chez soi. C'est une maladie dangereuse et qui se propage très vite, donc restez chez vous au maximum. Faites-le pour vous tout d'abord, mais faites-le aussi pour les autres. Un grand message de soutien aussi pour tout le monde. On sait que ce n'est pas des moments faciles, mais c'est vraiment le moment pour rester tous solidaires. Force et courage dans cette épreuve et à bientôt, Inch'Allah. ياسين إبراهيمي هو الآخر، وجه رسالة تحسيسية في ظل تزايد عدد الإصابات في الجزائر. كذلك هو الحال مع سفيان هني، الذي شدد على ضرورة البقاء في المنازل للحد من انتشار الوباء. السلام عليكم à tous. C'est Yassine Brahimi. Un message adressé à tous les Algériens, à toute l'Algérie. S'il vous plaît, il est vraiment important de rester chez soi. Soyez vigilants. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour toutes les personnes qui vous sont chères et toutes les personnes qui vous entourent. Et surtout, pour que le virus ne se propage pas plus, Inch'Allah. Adoptez au maximum les gestes préventifs. Et surtout, je voulais aussi remercier toutes les personnes issues du corps médical, que ce soit dans les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, dans les pharmacies, toutes ces personnes qui se battent nuit et jour pour sauver des vies. Donc voilà, qu'Allah vous facilite, qu'Allah accorde la guérison à toutes les personnes touchées par ce virus. Voilà, restons forts, restons soudés et force à tout le monde. Salam alaikum. C'est très important de respecter les recommandations faites, de bien se nettoyer les mains très régulièrement pendant la journée, de ne pas sortir de chez soi. Je sais que ce n'est pas facile, mais on doit le faire, c'est important, ça va nous permettre de se protéger soi-même, de protéger les gens qui sont autour de nous. Donc, comme j'ai dit, c'est pas facile, mais c'est vraiment important, donc je compte sur vous pour le faire.